Hola tout le monde, on vous souhaite une bonne année. Bonne année! Une bonne année à tous mes abonnés. Bonne année et à tout le monde. Bonne santé. Bonne santé. Et puis bon, voilà, tout, hein, ce qu'on peut donner et souhaiter tous en début d'année. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Et puis bah, on vous laisse sur la suite de la vidéo. Allez, bon visionnage. Et bisous, bonne année. Voilà, pendant qu'on a occupé les petits, en fait, aller voir une étoile filante en leur disant que le Père Noël arrive, en fait, on a chargé le sapin. Super sympa. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir leurs yeux briller, je pense. Ça va être super sympathique. Allez, on vous reprend une fois. Du coup, le Père Noël est passé. Bon, voilà, les enfants sont là. Alors. Et alors, est-ce qu'il y a un prénom dessus? Non. Alors, on les met de côté s'il n'y a pas de prénom. S'il n'y a pas de prénom, on les met de côté. On les met là. Voilà. Allez, vous faites le tour. C'est clair. Je crois que tout cela, il n'a pas mis de nom de Père Noël parce que c'est si, peut-être, si, pour ceux qu'on a, peut-être pour ceux qu'on n'a pas. Si, il y a un nom sur celui-là. Si, ouais, celui-ci, il y a un nom. Alors, on cherche qui exactement là? On cherche Lily. Jojo alors. Et Liam là. Ah, t'as Jojo, Liam. C'est marqué Jojo et Liam. Reda, je connais pas. Ah, il vaut mieux distribuer à tout le monde, Lily. Ouais, c'est facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, j'ai. Ici j'ai. Ah bah j'ai Lily. Ici on a Lily. Là c'est Samira. Ici on a Lily déjà. Hop, on va venir pour Lily. Alors. Bon c'est un peu le bordel. En même temps je fais lumière en fils de. Hop. Léa. Ah. Tiens Lily, Lily, j'en ai trouvé un. On a trouvé un à toi. Enfin, c'est écrit quoi là? Lily. Voilà. David. David, bon, on verra après, pour, on va faire les enfants pour l'instant, puis après. Non, mais c'est pour... Ouais, bah oui. Ah non. Non, c'est passé, là, les gars. Bon, voilà, le Père Noël est passé. Non, regarde, dans les papiers verts, là-bas. Voilà. Bon, je vais faire un petit peu de lumière pour qu'on y voit plus clair. Là-bas. Bon, la puce, elle a eu un petit cadeau aussi. du trapilo. Petit porte-clés. Oh. Et un aimant. Un desparadrap. Ah oui. Et pour les grosses bouteilles, on a le petit, la petite pompe. Ah, un guilas, ouais. Oh, oh les vaches. Oh non. Et la petite pompe. C'est quoi? Pour l'eau. Bah, c'est vrai que c'est bien pratique. Ah oui, pour l'eau. Bon, c'est cool. Quoi bah, le Père Noël, il a pensé à toi, mon amour. Un de aqua, garrafa. C'est pour mettre sur les grosses bouteilles. Bon, tout à l'heure, il y avait un cadeau pour Laurent. C'est bon, il l'a récupéré. Impeccable, c'est très bien. Donc, Jojo, ça c'est à toi. Est-ce que tout le monde est venu récupérer son petit cadeau? Et montre-toi nous, t'as pas récupéré ton petit cadeau? Non, pourquoi? Bah alors, ça me donne. J'attends qu'on me le ramène, en vrai. Hein? J'attends qu'on me le ramène. T'attends qu'on te le ramène? Bah bravo. Ouais. Oh bah voilà. Si t'es là. Si t'es là, c'est que... J'étais... Normalement, c'est la surprise. C'est chiant les mecs qui mettent trop de qui est là, qui sont casse-couilles. Bah, il faut dire aussi que j'ai mis pas mal de scotch. Ah, c'est toi. Oui. Bah, en même temps, je pense que tu le...
tu l'aurais deviné de toute façon quand tu vas voir le cadeau, tu vas deviner, tu vas le deviner. Ça fait 6 mois que parce que tu m'en as parlé et ouais, super joli. C'est sympa ça. Ah ouais. C'est qui t'a fait celui-là? Alors, qu'est-ce qu'il a reçu, mon petit Antoine? Ah, merci Stéphane. Comme je sais que t'aimes bien les couteaux et que bah, malheureusement, par malchance, t'en as perdu un. Au moins, tu vas récupérer. Bon, c'est vrai que c'est pas les plus beaux, mais bon, voilà. Au moins, c'est un couteau. Bon, voilà. Super Noël en famille. C'est ça la vie. Cadeau pour Stéphane Terpédiem. Ah bon? Ah oui, non, j'ai filmé mon gars plutôt. Moi, j'ai pas de cadeau. Moi, on me l'a déjà offert. On me l'a déjà offert, moi, c'est bon. Bon, allez, du coup, je reprends et on va filmer le petit cadeau qu'on a offert à Enzo. Donc, on va ouvrir le déballage. Allez, je reprends tout de suite. Bon, alors, joyeux Noël, mon fils. Je crois qu'il a plus de trois cidres en fait. Bon, je sais pas combien il en a vu, mais... Il va y arriver quand même à défaire le cadeau. Regarde pas le carton, ça sert à rien. Ouvre plutôt, on verra après. Tiens, pardon. Bon. Est-ce qu'il va y arriver? Bon, allez, ouvre, arrête de regarder le carton, ouvre. T'es mal au ventre. Arrête de boire du cidre. Bon, allez là. Pêche-toi donc. Faut pas y passer une plombe là sur la vidéo. Alors, attention, doucement quand même. Attends, je vais faire le changement avec le caca. J'arrive après. Mais non, mais attends, Enzo, s'il te plaît. Ah, super, bon, vous avez vu un peu malheureusement comment ça se passe. C'est dommage. Voilà, t'es content? Attends. Enzo, s'il te plaît, profite un peu de ce moment avec nous. Oui, ça sonne. C'est quoi pour l'allumer? Bah, tu restes appuyé, Enzo, comme un téléphone. La coque n'est pas adaptée, mais bon, c'est pour le protéger. Voilà. Bon, t'es content? Ouais, je suis trop content. Ouais. Par contre, derrière, t'es juste un peu obligé de le faire pour l'appareil photo. C'est pour le protéger. Ouais. Et ouais, mon gars, tu vas dire quoi? Tu vas en faire, hein? N'importe quoi! N'importe quoi! Il a bu 3 cides, il est parti! Ouais, il a bu 3 cides, allez, c'est bon, il est parti, il sait plus où il habite. Il a le chargeur dedans, il va y faire tomber! Oui, c'était les harponneux! Bon voilà, Enzo a eu un beau téléphone, un beau petit Sony. Bon voilà. Ouais, bon là, faut qu'il arrête. Bon alors attendez, le temps que Sabrina ouvre, du coup, qu'est-ce qu'il a reçu mon Bruno? Oh, un beau slip. Franchement, j'ai trop envie de te voir tout nu avec. La banane, je vais te voir tout nu avec, c'est obligé. Obligé. Tu vas te baigner. Ouais, on va réfléchir. Non, demain? Après la plongée ou avant? C'est mieux avant, parce que après. C'est mieux avant, parce qu'après t'auras plus rien à mettre dedans. Et là, du coup. Waouh! C'est joli! Malo et Léa! Waouh! C'est? Et donc, c'est chouette! Non? C'est super joli! C'est excellent! Bah, écoute. J'ai mal trouvé! Oh, non. Ah, ouais, mais bon! Quand il s'est tout fini, non? Ah, t'as pas... C'est Mélissa qui t'a pioché! Quand il s'est tout fini! Bon bah voilà, bah Bruno lui a eu un beau caleçon. C'est toi qui sais qui t'a pioché? C'est vous? Non, moi c'était Birgit au début. En même temps, pour avoir choisi, alors, pour avoir choisi un slip, qui aurait pu piocher Bruno? Roi d'août, hein? Faut que tu devines qui c'est qui t'a pioché. Mais il y a aussi... Comment tu peux savoir? Impossible. Bah non, c'est impossible là, sur un slip. Moi je savais pas, c'est Manu qui a dû me le dire. Après, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ah Bruno, mais il a eu quoi Bruno? Il a eu un slip. Ah,
Non, c'est pas toi alors, déjà. Moi, si Mélissa a fait une. Ah, il est beau comme ça, mon Bruno. Bon, bah voilà, tout le monde est content. On va faire la photo avec le caleçon, avec le chapeau. Ouais, mais on verra ça plus tard, je vous ferai ça plus tard. Ce soir, il fait pas froid, mais bon. Bon, bah voilà, tout le monde est content, tout le monde a eu ses petits cadeaux. Le Père Noël est passé, les enfants ont été super contents, franchement. Ils ont eu une très très belle surprise et franchement, ça c'est génial. Franchement, ils ont adoré. Moi, j'ai adoré surtout de voir finalement cette. Voilà. Je sais pas comment dire, mais cette joie en fait dans les enfants et tout ça, et surtout le petit Elliot qui est juste là, vous voyez. Et franchement, j'ai adoré. Il était vraiment heureux. Donc, tout à l'heure, il me fait, je regarde en fait, j'attends et je regarde les étoiles et j'attends le Père Noël. Mais comme je lui dis, mais le Père Noël, tu le verras pas, tu seras couché avant. Bon, il a eu de la chance, on a fait un autre stratagème, mais non, franchement, c'est super cool. Et bon, voilà. Toute la petite famille ici, quoi, en fait, qui est venue avec nous, et franchement, ça fait super plaisir qu'ils soient présents. Franchement, c'est génial. Mon petit Tobias, ma petite Ophélie, mon petit Romain. Puis bah, toute la famille, après, je connais pas tous les noms. Là, il y a, c'est trop compliqué ton prénom, je crois. C'est comment déjà? Chou. Chou? Non, non, je crois que c'est plus compliqué que ça, je crois. Voilà, c'est Chou. Caro. Et voilà. Bon bah lui on le cite même plus parce que ça sert à rien. Elle non plus parce que vous la connaissez par cœur. Lui on n'en parle même plus non plus parce que voilà. Mon petit Toinou. Mon petit Gilou. Film. Non, je te filme pas toi. Je suis content d'avoir une planche à découper par Théo. Théo, je te remercie. Je t'adore. C'est qui Théo? C'est Théo Desvadruyères. D'accord, ok. Bah, excuse-moi Théo, je t'avais oublié. Et ma petite Malicia, toute sage. Donc voilà, et mon petit Laurent aussi qui est venu aussi nous rejoindre. Super, c'est vraiment génial. Et donc voilà, aujourd'hui, ce soir, on passe vraiment une super soirée. Super soirée avec mon Totof, Momo, ta femme, je me rappelle plus. Stéphanie. En plus, je devrais m'en souvenir, je m'appelle Stéphane. Mince. Voilà, ouais. Franchement, quelle honte. Ben voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas bien là, franchement. On est super bien. Et là, je peux vous dire que ça a tapé pas mal quand même sur la table. Hein. Là, on voit que on s'est bien régalé. Il va en rester. Donc, on a décidé de mettre tout ça dans une tente, dans un tipi, pour demain. Et puis bah pour les jours à suivre, hein, parce qu'il y en a encore pas mal sur la table et du coup bah vous voyez on a fait beaucoup de trop. Mais bon c'est comme ça, c'est le partage, c'est comme ça que ça se passe et puis bah du coup voilà, on est super heureux. Alors là je suis en train de regarder un truc là parce que là Mélissa, c'est un cadeau. Ouais, alors Mélissa, franchement, alors déjà là, sur la dernière vidéo, une vidéo, on t'avait vu comment ça s'appelle en marié. Ouais, là, mais alors là. Là c'est combien de mains de dégaine Oh là c'est super, pyjama. J'adore. C'est quoi? C'est un pyjama? Bah il veut pas ton. C'est un pyjama, c'est ça? C'est pour rigoler. Mais non, mais je veux pas me foutre à poil. Bon, Tom, il ferait tout et n'importe quoi pour gagner des abonnés, lui. Hein. Super, franchement. Bah, bon, joli cadeau. T'es d'accord, Thomas? Voilà, par contre, est-ce que tu. Oh là là. À la base. Bon, à la base, je devais pas filmer ce genre de truc. Et là, franchement, là, c'est chaud, là. J'ai l'impression qu'on va le voir en direct. C'est parti! Le défi est lancé! Je vais vous filmer ça, et je peux vous dire que je vais faire des vues, je vais faire un titre putaclic! Avec une miniature putaclic! Non, pas de ça chez nous, on connaît pas ça. Plus beau. C'est quoi? C'est super gaulois, Superman. Ah, ça rien. C'est la banane. C'est super banane. Super banane. Toi, arrête de rigoler, parce que ta femme qui arrive. Ta femme arrive en string quand même. Hein. Rigole pas trop. Imagine, elle arrive à poil en string. C'est le risque. Va savoir. Si ça se trouve, en fait, elle s'attendait à te voir que en caleçon. Elle s'attendait pas à ce que tu m'aies habillé. Mais ça, on a eu des super cadeaux. Attention. Voilà.
Ça rigole pas là. Alors là. Là c'est l'équipe. L'équipe de chat. Je peux m'approcher, ça te dérange pas? Caresse-moi la banane, Mélissa. Le couple de l'année. Tu vois, derrière. Il a dit caresse-moi. Ah ouais. Si, il y a un truc qui est marrant. C'est ça. Ah franchement voilà c'est oh, ça. Merci là pour les super cadeaux. On s'éclate. T'as eu super cadeau. On s'éclate. Ah c'est toi Laurent l'histoire ouais. Non. Oh, là, là, c'est toi. Le chapeau. Il a la banane. Ah la banane. Bon bah voilà. Il a la banane. Il a toujours la banane. Voilà comment ça se passe chez les Gaulois. Bah comment ça se passe sur tout le monde dans une communauté nomade tout simplement. Voilà comment ça se passe chez nous. Regardez ça. Tout ce beau monde. Bon là, il fait un peu sombre. Vous voyez pas grand chose, mais ils sont tous là. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. Et bah surtout kiffer la live quoi. Bon et bien ce soir du 25 décembre, en direct de l'Espagne. Eh bien il fait. Bon il fait pas froid, mais le vent est froid, il y a du vent, ça souffle. Ça souffle. Hop, regardez-moi ça. Bien tenir le téléphone. Ça souffle dans tous les sens. Là-bas, ils sont toujours. Là-bas, ils sont tous dans le bus. Enfin, presque tous dans le bus. On se réchauffer. Du bon nous. Ce soir, on va faire un petit live Insta. Ça faisait longtemps. Donc, on va se faire un petit live, dire bonjour un petit peu à tout le monde, tous ceux qui nous suivent sur Instagram. Donc, voilà. Allez, un gros bisou à tout le monde. Petite ascension de la montagne. Mais comment c'est design. Il y en a déjà plein qui sont déjà motivés là-bas. Là. Ils sont tous pressés. Puis là, ça arrive tout doucement. Tranquillement. En tout cas, ici, on a une super vue. Vous avez vu là, sur les serres là. C'est magnifique. Et voilà la montagne. Allez, comme elle est belle. Là où il y a l'air d'avoir une petite grotte. On va voir ça. Allez, I'm
Allez, c'est parti. On est tous partis. On va. On va essayer de faire là-bas. Stéphane, on va aller derrière là-bas. On va essayer de taper tout ça. Bon, je pense que je m'arrêterai avant, c'est sûr. Mais on vous emmène. Hop là. Aïe. Bon, c'est des chemins un petit peu. Voilà. Hein. Et c'est ça, je vais remonter les montagnes. Allez, la petite troupe. Bon, bon, j'arrête là. J'ai assez grimpé. Ouh. Ah ouais, c'est ça des fumeurs malheureusement. Bon, en tout cas, voilà toute la petite troupe là. Apparemment, on va grimper jusqu'en haut de la colline. Je vais leur laisser ça pour eux. Et puis moi, je vais commencer à redescendre tranquillement. Profiter déjà un petit peu du lieu qui est ici, quoi. Parce que c'est vrai que déjà, c'est paisible. C'est chouette. Pardon, hein. Ouais, comme c'est joli, c'est magnifique. On veut dire quand même qu'on a fait une belle grimpette. On arrive de tout en bas là. Donc, ça fait pas mal. Je sais pas si à la vidéo ça vous parle un peu, mais vous voyez un petit peu ce qui est là-bas, le bac de rétention d'eau. Et on arrive de là-bas. Et on a grimpé. Jusque là, bon, c'était assez plat, tranquille. Et ensuite, après, on est passé sur le côté, là. Et on a tout grimpé. Jusqu'ici. Ça fait du bien. En plus, il fait beau. C'est vraiment génial. Vraiment. Les voleurs en dessous là-haut. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça. Magnifique. Super. Trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done.
Regardez-moi ça. Et là-bas, en fait, on voit Mazarón. C'est magnifique. Super. Regardez-moi ça, franchement, c'est excellent. Génial. Ah, franchement. Bon, voilà, on va essayer de grimper jusqu'au bout. Il y en a qui sont là. Voilà, on l'a déjà monté bien haut. Bien, bien haut. Très haut même. De ce côté-là, il y a Mazarón. Voilà, ça fait une belle vue. Hein. Très belle vue. Mais bon. C'est pas mal. On attaque la descente. Donc, aujourd'hui, je vous reprends en bas. Regardez ça là-haut, ils sont courageux. Ils sont vachement hauts, je peux vous dire. Regardez ça. Et voilà. Bon, on s'en va, nous. Eh bien, on reprend notre petite route vers le bas là-bas. On aura quand même fait déjà une belle ascension, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Bon allez, voilà, nous voilà de retour. On arrive vraiment de tout là-haut. Hein. Vous voyez. Et là on arrive. Voilà. On a refait tout le côté, tout ça. Pour revenir là, je sais pas où sont les autres. Et ça, vous verrez ça sur la vidéo à Bruno pour savoir exactement jusqu'où il a été, ce qu'il a vu et quelle est la vue qu'il a là-haut. Tout simplement. Pour ma part, j'ai pas été aussi haut. Bon, allez, on descend. Motivé, c'est vrai. Bon, et bien belle ascension. On arrive de tout là-haut. On a fait tout ça, on a tout longé pour arriver là. Là, ça fait du bien, mine de rien. On est bien. Je suis avec mon petit homme. On a décidé de redescendre. On a laissé les autres là-haut, les plus courageux. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était bien suffisant. À notre rythme. Maintenant, on va redescendre tranquillement. Regardez comme c'est joli là. C'est extra. Bonjour tout le monde. Donc voilà, ce matin, on est le 28 décembre. Donc voyez-vous comment ça s'y passe. C'est un peu nuageux aujourd'hui, mais il fait toujours aussi beau. Il fait chaud, le soleil chauffe, il n'y a pas de problème. Et beaucoup de gens m'ont demandé de voir Dia. Alors Dia, elle est là, Dia. Oh, Dia. Je suis pas lavé.
C'est pas là, on veut le voir dans le naturel. Ouais, là, c'est un beau naturel. Hein. Yaya fait du pain grillé. Elle vous fait des pains grillés ce matin. L'eau chauffe. Donc, La table est prête. On l'a pas grillé. Bon, oui, on va on pas le faire. On attend un petit toit, nous. On va le faire, on peut pas le faire avec tout ça. C'est fini, toi. Bon, voilà. La Yaya, elle est là, Yaya. Ouais. Oh, Yaya. Je sais pas comment il s'appelle, monsieur qui a envoyé un message ce matin. C'était. Attends. Je le retrouve deux secondes. C'était sur Messenger. Ils ont mis le bordel qu'il y a sur cette table. Waouh. Sédika Yanis. Sédika Yanis. Ici qui m'a envoyé plein de messages d'amour ce matin. Très gentil. Voilà, qui nous regardait et qui voulait me voir un petit peu plus et que j'étais belle. C'est ce qu'il est. Non, je sais que c'est pas la première fois qu'on me demande aussi avoir un peu plus la puce sur les vidéos. Bah, c'est vrai que oui, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'après moi, moi surtout, je me mets à filmer. Bon, dans des moments où j'en ai envie, dans des moments où ça peut être important à montrer. Et puis on voit quand même assez la puce assez souvent quand même, je pense. Mais c'est vrai que oui, je vais tâcher de le voir un peu plus. De temps en temps aussi. Ouais, la puce peut prendre aussi le téléphone de temps en temps si elle veut. Aussi. Il y en a un qui vient de se lever, là il baille. Ouais. Il a la flemme déjà. T'as la flemme déjà ? Bon. Nous on va prendre un bon petit déjeuner. Ouais. Tranquillou. Bon allez, direction Lavry. Et faire quelques courses. Hein ? Ouais. Ça c'est la corvée, Ça c'est. C'est vrai. Hein ? Ah, et Lavry, c'est. Ça permet de passer un moment tous les deux. Oui, aussi, ouais. Bah, justement, tu veux qu'on passe un moment tous les deux ? Oula, qu'est-ce qu'il va me dire ? On va aller faire une Lavry, mais on va aller au port de Mazarone. On s'en pourra visiter le port en même temps. Ah ouais ? Que d'aller là-haut, là, ouais, ça sert à rien. Toi, t'as déjà été. Alors on va aller. La caille surfeuse et ma castanelle. Là-bas, il y a une Lavry, on a qu'à aller à celle-là. Yes, que d'aller s'emmerder, aller chercher, je sais pas où, demander à droite, à gauche, c'est savoir parti, si. Hein. Okay. Et puis voilà, allez, un petit tour vers le port. Bon, aujourd'hui c'est nuageux comme vous pouvez voir. Mais ça va, il fait pas si froid que ça. Ah, c'est les boss. Ah oui, c'est les boss. Quand même. Allez, c'est parti. Dia au volant. Tranquillement. Attention aux buissons qui sont derrière par contre. Il y a des buissons aussi je crois. Là, tu peux repartir en marche avant et ça part tout seul. Allez, c'est parti, on vous reprend là-bas. Regardez, il pleut. Il y a des gouttes. Des petites gouttes, il pleut. On est tellement plus habitué que... Bah ouais, on est plus habitué à ça, nous. Bon, allez, on passe sur le tunnel. Waouh, si joli. Regardez comme c'est joli là-bas. Bon, là, vous voyez rien pour l'instant, c'est normal. Yep, là. Excellent. Bon, allez, direction la Lavry de Mazarone. Bon, voilà, salut les gens. Bon, vous voyez, nous là, on est couché de bonne heure. Et écoutez ce qu'on entend dehors. Je ne sais pas si vous entendez très bien, mais c'est de l'accordéon. Donc là, ce soir, bon, voilà, on était se coucher de bonne heure, mais je pense que la puce va pouvoir profiter. Je pense qu'on va rester un petit moment avec cette personne-là, un ami de Yuri, qui joue de l'accordéon. C'est magnifique. Donc non, ce soir, on avait décidé de se coucher tôt, parce que, bon, voilà, demain, il y a des choses à faire. Demain, on a une petite randonnée. Vous verrez peut-être plus tard que je vous ferai des petits rushs. Et donc voilà, puis pas traîner non plus. Allez, là-dessus, je vous fais des gros bisous. Allez, là, on va aller se promener. Direction, faire un parcours d'une ancienne mine. Donc, on y va. Donc, c'est parti. On va vous montrer des belles images. Enfin, du moins, j'espère. Donc, voilà.
La liste de sol doit être bien. Thank you.
moi je suis une maison, c'est sombre. Parce que tu famines. On va aller la visiter, on va aller voir un peu ce qu'il y a de beau. Qu'est-ce que c'était? À mon avis, ça a l'air d'être un truc électrique. C'était peut-être tout ce qui était génératrice d'électrique de citrouille. Voilà. Regardez comme c'est immense. C'était avant. Les générateurs. Ouais, c'est chouette, hein. Bon, eh bien, ça sera la fin de cette balade, de cette visite, de cette mine. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, moi j'ai kiffé, j'ai bien aimé. C'est vraiment très joli à voir. Donc, si un jour vous avez l'occasion de venir sur Mazarone, excusez-moi, il y a du vent, hop, je retourne, là il n'y a pas de vent. Donc je disais, si vous revenez, si un jour vous passez par Mazarone, bah, n'hésitez pas à venir visiter ce lieu. C'est quand même assez sympathique à faire. Voilà. Là-dessus, je vais vous laisser sur ce joli petit soleil. Ah, ça fait du bien. Alicia, adorable comme tout, elle a fait la vaisselle pendant qu'on est parti se promener, mais bon là ça goûte un peu là, en fait. Le pauvre Wanou là, il prend l'eau. Bon et bien suite à une petite panne de d'amortisseur avant, on avait quand même tout été voilà, HS. Donc du coup, les gars, bon ce matin ils ont déjà changé les deux amortisseurs avant. Et là, ils vont s'apprêter en fait à changer les amortisseurs arrière. C'est bon, ils ont les pièces. C'est parti. Toi, nous, qui va changer tout ça. Donc, comme je vous ai dit, voilà, toi, nous, la fameuse personne que je vous ai dit sur la dernière vidéo, qui non, qui a cette passion du 4x4 en fait depuis l'âge de 17 ans et qui fait ça, voilà, qui a fait. En fait, il se connaît super bien en 4x4, donc pour lui, en gros, là, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade pour toi, là, mon toi, nous. Quand même, ouais, c'est simple quoi. T'as fait plus dur. Ouais, largement. Largement plus dur. Donc voilà, ça va être changé très rapidement avant la tombée de la nuit. Et ça sera bon. 2 minutes par roue. 2 minutes par roue. 10 minutes max. Je te prends au mot. Je le vends. Allez. Allez, ouais. C'est parti. Allez, non, vas-y, prends ton temps, on n'est pas pressé. Ouais, on n'est pas pressé. Donc voilà un petit peu les pièces. Comment vous arrive? J'ai mis frein. Oh, attention, vas-y. Le frein il sert à rien. Là, tu peux le mettre en 4 roues motrices courtes et en prise. Voilà la petite pièce. Allez. Ouais, en courte et tu mets la première. Donc, bien évidemment, là, elles sont resserrées. Hein. Ah, putain, grâce à ça. Et dès qu'ils vont retirer, enfin, je pense que ça, ils vont pas le retirer maintenant, ils vont le monter comme ça.
dès que ça va être retiré, après, paf, ça va prendre son ampleur. Donc, Rick, alors attends, j'ai des cales si tu veux, mon lapin. Ouais, je veux bien. Je te ramène des cales. Allez, je vous laisse là-dessus. C'est pareil, on a fait connaissance ici avec le garde-côte, qui est juste là, qui passe tous les jours. Et franchement, super gentil, le mec, il a en fait une entreprise d'orangerie. Et bah, il nous amène des oranges assez régulièrement. Parce que tous les jours, il nous emmène des oranges. Et là, on sait plus quoi en faire des oranges. On en a là, clémentine, on a de tout. Poivron et pomme. Poivron et pomme, d'accord. Bah là, c'est un truc de fou. Hein. Là, effectivement, bah merci à lui en tout cas. Un grand, grand merci à lui. Bon, bah toujours en action. Bon, bah les 10 minutes sont passées. Hein. La roue est toujours pas enlevée. Ah oui. Levé en fait. Ouais, non, bah lever un 4x4, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai pu lui fournir quelques cales, mais je sais pas si ça va suffire. Ça va peut-être pas suffire les cales. Non, même pas, regarde. Ah, attends, tu peux dévisser ça aussi, mon lapin. Ouais, je sais que je peux le dévisser, mais je le passe en haut. Bon. Allez, on va y arriver quand même. On a réussi pour le devant. On va y arriver par derrière. Ouais, il y a moins de débattement à l'avant. Ouais, c'est ça. Bon bah monte-toi à nous, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, tu sais qu'il fallait dévisser en fait là. Non mais c'est long, t'es fou quoi. Bon écoute, on va y arriver de toute façon, je pense que là on y est presque. La chandelle est posée déjà, donc c'est assez bon. T'es assez haut, t'es assez haut là? Non. Il faut encore plus haut. Bon, ça va se faire de toute façon, ils ont déjà réussi à faire les deux de devant. Ouais, c'était, bah, donc il n'y a pas de raison. Ah, il y a beaucoup moins de débattement à l'avant aussi. Ouais. Puis bah après c'est pareil aussi, là on est sur de l'Opel, c'est ça? Oui, Opel. Après c'est vrai que Antoine t'as peut-être plus l'habitude de travailler. Là. Ouais, ouais, mais bon après chaque véhicule peut être différent aussi, on sait jamais. Donc c'est voilà. Le débattement qui est vachement... Ah ça va se faire tranquille. Allez. En même temps aussi là le pauvre on est en train de lui mettre la pression parce qu'on est en train de le filmer quoi. Ça c'est pas cool. La DDE, qui travaille pour qu'il regarde. Ouais bah en gros c'est ça, mais comme la DDE, hein. Tu connais pas? Regarde, impeccable, regardez-moi ça comment ça se lève. Hein. Eh, faut le lever, Coco, mine de rien. C'est du 4x4. Hein. Flipper, lui. Hein? Ah, bah, mais sur toi, c'est... Ah, ouais. Non, c'est vrai qu'il faut le lever, l'engin, là. C'est. Bon, allez. C'est bon, premier pneu démonté. Allez, hop. Voilà. Il est parti, les garnitures sont propres, tout est nickel, tout est nice. Donc là, maintenant, c'est là qu'on rigole. Il y a pensé à tout, il y a dégrippé tout à l'heure. Ouais, t'avais mis un peu de dérippant. Ouais, bon. Comme ça, au moins, pour moins galérer par la suite. Ouais, nickel. Nickel chrome, tout ça. Vous voyez ? Voilà comment ça se démonte un amortisseur de 4x4. Enfin, faut connaître. Hein. C'est pas ma bonne main. Tu veux. C'est pas ta bonne main. Tu veux que je te file un coup de main, mon lapin? Bah non, ça va aller. Hein. Ah, moi, tu la tiennes là? Vas-y, lâche. Vas-y. Allez, vas-y. Putain. Je connais dans le filard bloc. Voilà. Et allez. Ah, allez, tout seul. Là où il faut. Pas beau tout ça. Le téléphone d'une autre, la clé dans l'autre. Ça c'est du pied, hein. Ça c'est du pro. J'analyse, je regarde. Et là on a le propriétaire du véhicule. Merci à tous en tout cas. Ça, il est comme ça, il est comme ça. Impeccable. Donc tout ça va sauter. Et voilà, impeccablos, ça c'est fait. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont ici, qui essayent de faire je sais pas quoi en fait. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire là dans le punk à chien? C'est la planche pour le lit. Donc tu essayes d'agrandir ton lit. Ah oui, parce que Dylan, à l'heure actuelle, il dort par terre. On va pas vous montrer l'intérieur, c'est pas la peine, mais il dort par terre. Mais c'est propre. Et c'est propre? Attention, surprise. Ah ouais, c'est propre. Bon bah écoutez. Mais il dort par terre, non, pour l'instant. Il dort dans le lit. Mais en fait, on avait cette planche là, tu vois.
Celle-là, ah oui, base, tu mettais. Ma table. Et en fait, on la mettait, mais elle est trop. Elle est pas assez large. Et du coup, tu sais, en fait, elle glisse la nuit. D'accord. Et du coup, là, il faudrait carrément une grande place là. Ok. Oui. Bon, ben voilà, chacun bricole en fait, hein. Chacun est dans son bricolage, c'est ça qui est beau. Hein. Chacun s'occupe, il fait encore beau sous le soleil. Allez, mon Dylan. T'as pas de vis, toi, Steph ? Des vis ? Non, mais. Donc voilà le chantier. Vous voyez, il y a du monde hein, quand même pour regarder quand même. Hein. Et le pauvre, il est tout seul, il galère. Il est mouru. Bon, il est pas mort, mais voilà, il fallait le changer. Ah oh, ouais, il a 200, il a commencé à rouiller 220 000 km. Ah, il a tordu un peu quand même. Hein. Ah, il a travaillé là un peu quand même. C'est les amortisseurs d'origine là. Ah non, c'est normal, c'est du caoutchouc, excusez-moi. Et ça va pas ? Ah, il va falloir détendre la pâte en haut. Ah merde. Ah, bon, premier problème déjà, il va falloir adapter le. Non, c'est ceux-là et ça a été adapté pour mettre ça. D'accord. Là, bon. Heureusement qu'on a un expert en 4x4. Ouais, on va le laisser faire. Parce que sinon, je sais pas comment on ferait. Allez, je vous reprends une fois que le nouveau sera installé. C'est vrai qu'il a raison. Moi, en 10 minutes, il aura monté l'amortisseur. Bon, c'est grâce parce qu'en fait, je vais vous faire en fait un beau montage pile poil pour pas dépasser les 10 minutes. Oh oui, on est là, avec quelques petits rushs d'une minute. Normalement, ça va faire 5 minutes. Non, non, il a galéré parce qu'apparemment, c'est pas du tout les originaux qui étaient dessus. Donc, t'as bien galéré, mon lapin. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Finalement, ça se fait tout seul. Hein. Bah, quand on a un expert aussi. Ça se fait tout seul, merci Antoine. Ça se fait tout seul quand on a un expert parce que. Il n'y a même pas besoin de se salir les mains. T'as réussi à faire ça, ton bon Tobias ? Ouais. Ouais, Tobias, il sait tout faire, Tobias. Et d'ailleurs, c'est vrai, en plus, Tobias, il sait faire maintenant une distrie. Bah ouais. Ah yeah. C'est fait. En espérant que ça tourne bien maintenant. La prochaine fois qu'il a un problème, il fera la distrie de son camion, puis qu'il me connaît. Le pire, c'est. Bah, vous voyez, c'est ça aussi la vie du camp. Hein. Tout le monde apprend. Hein. D'ailleurs, il faut que j'apprenne moi aussi. C'est lui qui travaille, c'est moi qui ai la gomme. Ça pourrait me servir. Ouais. Ça pourrait me servir. Qu'est-ce que. Allez, ouais, j'ai tout le temps pour la fin, j'ai pas besoin de le faire. Quand j'aurai besoin de le faire, j'apprendrai. Allez, remontage de ces trous-là. Allez, puis bon, bah après, je vais pas vous montrer le montage de l'autre trou. Hein. De toute façon, c'est exactement la même chose. Hein. On remet sur cric, il redémonte, il repose et basta. Ça sera bien bon. Allez, bravo, mon toit nous. Incroyable. Hein. Incroyable, mais vrai. Gars, je donne un fond. Bon, et bien du coup, ça se termine. Tranquillement. Donc, bah, finalement, on va pouvoir faire cette petite session 4x4. Bon, pas ce soir, mais on s'organisera ça. Palette. Ouais, ce soir, ça va être palette, c'est vrai. Palette. Et puis, bah non, on s'organisera ça. Et puis, donc voilà, en fait, je n'avais pas vu faire ça sur la première. Ah bah oui, quand tu l'enlèves le pont, il redescend. Donc, ouais, donc tu relèves le pont avec un autre cric. Et après, tu viens ajuster, après, tu es... Tu roules à 20 km/h ou... Elle va pas à 7 km/h. Non, je suis monté à 150. Voilà, tout simplement. Et puis après, on vient serrer. Ouais, bah, c'est cool ça en fait. C'est génial. Et voilà. Ça se termine. Donc là, les 4 amortisseurs sont changés. Donc maintenant, voilà, bah, il est prêt à faire du off-road. Tranquillou, bien évidemment, hein. On n'est pas non plus sur du trial. Hein. Mais voilà, un petit off-road tranquille. Ouais, ce soir, nous allons t'envoyer avec